Et bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo GTA V, pas de mode histoire, pas online, mais le mode de réalisateur, vous allez comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, les gars, on va voir qu'est-ce qui va se passer si on arrive en bordure de map. Moi, je me suis posé la question, et on va le faire aujourd'hui en vidéo pour que vous voyez comment aussi, qu'est-ce que ça fait. Alors, pour cela, regardez la map, je pense que vous savez, est entouré d'eau. Donc on va pas y aller à la nage parce que je pense que ça va être assez long. On va commencer par un avion, puis par un bateau. Enfin, je pense que ça va être à peu près la même chose. Donc on va déjà aller à l'aéroport de Los Santos. Hop là, je marque. Par contre, oh là, il y a un avion vide juste devant. Qu'est-ce que c'est pour comme gueule. Hop là. Donc, nous sommes ici. On va avancer. Je vais accélérer la vidéo. Et on va se rappeler dès qu'il y a quelque chose, océan Pacifique, si on va donner à l'océan de baisse, je m'amuse, enfin quelques loopings, tout ça. Et au bleu, pas de bâtiment, rien, c'est tout à fait normal, parce que normalement on n'est pas censé être là, hein, c'est bordure de la map. Et on va avancer, et on va voir ce qui se passe, là par contre, non, touche pas à l'eau, on va éviter. Donc je vais accélérer la vidéo, et bon bah à tout de suite. Hein. Donc comme vous voyez, on voit plus trop la map. On voit plus trop, on voit les montagnes, tout ça, qui séparent le centre, qui sont du shore, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Ah bon, mais mon avion va littéralement de perdre une aile. Ah, on est vraiment loin de la map, enfin, quoique, pas si loin que ça. Hein. Mon avion vient de perdre une aile. C'est tout à fait normal, hein, mais sûr, c'est faux. Bon, je vais sortir de là parce que sinon on va couler à jamais. Aïe, je me suis cogné la tête. Sors de là. Et bonjour les petits poissons. Petit poisson tout mignon. Oula, il y a un plus gros poisson là. Oula, c'est pas un petit poisson. Pourquoi il y a un requin? C'est pas normal ça. Quand j'étais petit, je regardais des vidéos de Mafia Stunting. Des pêcheurs et tout. Je voyais des méga odons. Mais je savais même pas qu'il y avait des requins dans le jeu. Je pensais que c'était fake. Je vais essayer de le tuer. Vous savez quoi, je vais continuer à avancer. Et moi je me suis baladé des fois dans l'eau pendant des heures, il n'y avait pas de requin. Hein. Je vais continuer à avancer, donc là les gars on est ici. Assez loin de la map. Continuer à avancer. Qu'est-ce qu'il fait le Kinos? J'ai peur qu'il me bouffe. Vous savez quoi, on va continuer à avancer. On va revenir un petit peu à la surface parce que... Voilà, qu'est-ce qu'il fait le petit requin? Continuer à avancer. Hop, je vais remonter un petit peu. Donc pour l'instant il n'y a pas de mur invisible. Il n'y a rien. Et le requin il me suit, il me fait un petit peu peur. Je crois qu'il va me bouffer un moment. Ah ok. Bon bah super, je vais me faire bouffer par. Les gars, il y a un problème. Il y a un gros problème à ça. C'est que je vous ai pas montré en début de vidéo. Quand on meurt en mode réalisateur, on revient au menu mode réalisateur. On va revenir là. Voilà, parfait, on revient ici. Ce qui est un truc qui est bizarre c'est, quand même, c'est que je suis... paramètres. Et les gars, je suis en mode invincibilité. Donc, on peut prendre 0 dégâts. Je vais revenir sur la map. Hop là. On prend 0 dégâts normalement, madame Cibité. Vous allez voir, je vais me jeter d'un immeuble, faire tout ce que je peux. Puis vous avez vu, j'ai été dans l'eau pendant un assez long moment. J'ai pris 0 dégâts. Tiens, il y a un avion, justement. Vous allez voir, je vais mettre des grenades, tout ça là. Je vais prendre l'avion en pleine face. Vous allez voir. On prend 0 dégâts. Il y a la barre de vie en bas, mais ça veut rien dire. Vous voyez, je me prends des trucs. Je prends des dégâts et je prends rien. Parce que je suis en mode invincibilité, hein, c'est marqué. Et le requin, il vient de me bouffer. Moi, je comprends pas. Donc, moi, j'ai une théorie. Vous allez me confirmer. Je pense qu'en fait, les développeurs ont fait exprès. Quand tu arrives, il y a un requin qui te bouffe pour pas que tu atteignes les limites. Parce que je pense pas que ce soit les vraies limites. Mais c'est juste pour te dire, frérot, tu as atteint les limites. Barre-toi maintenant. Quand tu envoies un requin pour te bouffer, tu reviens au début. Même si tu es en mode invincibilité, en fait, je pensais protection. Pas atteindre les limites de la carte et tout, je suis pas rentré dans la carte. Ah, en fait, je pense que c'est une limite. Donc, on va réessayer. Bah, pardon pour le son, saturé. On va réessayer. On reprend un avion, c'est pleinement le même avion. C'est un Luxor. On va réessayer.
Et si ça le refait, ça veut dire que c'est fait exprès et je sais pas, hein, on va essayer avec un bateau, tout ça, voir comment ça passe. On va pas essayer à la nage, parce qu'en fait je pense à la nage, bon bah déjà tu mets 4 ans, puis une fois que t'arrives, bah, t'as un bouquin qui bouffe. Ah, on va visiter l'obèse, ah, super. Ah, bon bah voilà les gars, on revient juste là, l'avion perd son aile et c'est bien ça, hein, c'est l'avion vraiment perd son aile. Évidemment tombe dans l'eau. Je pense que le requin va toujours être là. Évidemment on va sortir parce que sinon on atteint le fond, ça sert à rien. On va ressortir, on va remonter, ça prend un peu de temps. Là la map, on est au même endroit que tout à l'heure, vous voyez, à peu près pareil, assez loin. Et il y a le requin qui est là. Alors, le requin, je vais pas laisser me bouffer parce que là qu'on voyait, je vous montrais, on est en mode intimité et petit requin. Et j'ai un couteau dans les mains parce qu'on peut prendre des armes, hein, enfin certaines armes. Je vais essayer de le tuer. Tiens, le petit requin, il fait assez peur le requin quand même. Hein. Ah, coup de couteau. Oh, ça a marché. J'ai perdu du sang. Et je vais lui remettre un coup de couteau. Viens-le! Non, il m'a bouffé. Les gars, c'est bon. Alors, j'ai pris un jet ski parce que je pense que ça va un petit peu plus vite qu'un bateau, hein, quand même. Donc j'ai pris ça. On va se refaire le chemin, évidemment. Vous voyez ça en accéléré, vous avez de la chance. Et donc, bah, c'est parti. La limite du coup, vu que le bateau s'est mis à couler, c'était assez évident. Bon ben, ah voilà, notre ami le requin, je vais essayer de le buter. Viens là, chacal. Ok, je vais mettre un coup, je vais tenter un deuxième. Reviens, tu te barres, arrête de fuir. Le jet ski qui fuit lui aussi. Hop là. Non. Ok, il est mort. Let's go, je me casse. A few moments later. Ah. Ok, d'accord. Voilà les potes, regardez, je suis avec l'hélico, donc on va faire le test, hein, évidemment. Je sais pas ce que ça va faire. Bon, évidemment, ça va se crasher, hein, je pense. Donc, on va voir ça. À tout de suite. Ah les gars, ok, donc le moteur ne fonctionne plus. Bon, bon, c'est assez logique, évidemment. Dans l'eau là, je peux plus rien faire. Voilà, c'est assez logique, on sort. Il y a un requin qui va arriver, on va se bouffer. Enfin après on connaît la suite, donc c'est comme ça. Oh, ouais, c'est déjà là le chacal. Hein. Donc c'est comme ça que se finit avec un écho. Donc le moteur ne fonctionne plus et on se crash. Et un petit peu s'y attendre, j'essaie de tuer le requin. Je vais revenir sur la terre ferme pour vous faire l'outro. Et donc ben voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc aujourd'hui on a testé, qu'est-ce que tu veux toi, va là-bas. Donc aujourd'hui on a testé du coup les lignes de la map, enfin les lignes de la bordure de la map. Mais arrêtez de me tirer dessus là, c'est une dinguerie. Tiens là. Et donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne prochaine vidéo si vous avez encore en regarder une. Qu'est-ce que... Ah d'accord, ça fait rouler dessus. J'arrive pas à finir cette vidéo, hein. C'est vraiment incroyable. Et sur ce, bisous tout le monde.